Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Warhammer Vermintide 2 sur PlayStation 4, édité et développé par Game Workshop et Fat Shark, sortie officielle sur PS4 le 18 octobre 2018, déjà sorti sur PC le 8 mars de la même année, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Première chose, j'ai voulu m'attarder légèrement sur le menu pour vous montrer qu'il y a toujours les 5 classes de personnages propres à Warhammer Vermintide, premier du nom. Celui qui était déjà sorti à l'époque le 23 octobre 2015 sur PC, suivi de sa version PS4 le 4 octobre 2016. Donc nous avons toujours le mercenaire, le nain, nous avons aussi du coup l'elfe. J'attends juste au moins que les personnages s'affichent pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble, surtout que Kerillian est vraiment stylé. Arc et double dague, ils ont tous en fait une arme distance et corps à corps. Qu'est-ce que Warhammer Vermintide? C'est l'épopée Warhammer avant la passade futuriste de Warhammer 40 000, donc on se retrouve avec l'époque, par exemple, des elfes noirs, où est-ce que l'on pouvait encore avoir le surpuissant boss Lame Noire. Je me rappelle encore que j'avais dépensé une petite fortune pour l'avoir en figurine à l'époque. Et voici du coup la pyromancienne, et nous avions passé le répurgateur, appelé aussi le chasseur de sorcières. Donc là voilà, on se retrouve dans l'époque moyenâgeuse de Warhammer, et c'est un Left 4 Dead like. Donc je vais prendre le perso que j'ai l'habitude de jouer, qui est le répurgateur. Voici votre hub social, c'est un petit peu le lieu qui fait office comme la taverne qui vous était proposée dans le premier volet. Qu'est-ce que je peux vous montrer de base? Cette salle, par exemple, derrière, il y a la forge. Donc maintenant, quelque chose de beaucoup plus intuitif, beaucoup plus pratique. Juste avec la touche Start, vous pouvez directement accéder à votre équipement, talent, artisanat, etc. Vous pouvez faire fondre certaines armes pour récupérer différents matériaux de différentes raretés pour avoir un meilleur item au final. Un livre de défis qui vous offrira plus de points. Un plateau pour sélectionner vos missions. Donc là, je suis en difficulté recrue. Pourquoi je suis en recrue? Donc déjà, je vous montre que par exemple, voilà, j'ai beau appuyer comme un taré sur la touche croix, vétéran, champion ou légende, les 4 niveaux de difficulté, je ne peux pas y accéder parce que maintenant, il y a un principe de high level. Mon personnage a un stuff trop bas, donc je ne peux aller en vétéran à moins que je sois en groupe avec des amis qui ont un niveau assez important. Mais comme je suis dans le hub en solo, il n'y a que le niveau actuel high level de mon personnage qui est compté. Le level peut être aussi vu du coup dans la section forge. Donc voilà, un principe de difficulté assez sympa. Le jeu vous propose 15 missions avec la trame principale, du coup vous le voyez. Ainsi que au total pour aller avec les deux DLC inclus, vu que la version PS4, tout comme le 1, a toujours été une version qui incorporait la totalité des DLC sortis sur PC auparavant. Et si mes notions d'allemand sont encore bonnes, je crois que le O se prononce U, donc ça ferait Bugenhafen et retour à Überschreik, si je ne me trompe pas. Voilà, donc différentes missions, à savoir qu'une mission pourrait durer environ 30 minutes, voire plus. 1 à 4 joueurs en online, vous pouvez jouer seul avec du CPU. Vous avez d'autres petits endroits tels que ici en fait. Tu veux pas dégager toi? Voilà, vous pouvez prendre vos potions, mais je ne vous conseille pas d'en prendre une pour débuter le jeu en recrue. Même si c'est vrai que la difficulté quand même a été relevée dans celui-là. C'est pour directement commencer avec un petit boost. Autant partir à plusieurs avec vos potions et choisir une difficulté plus importante. Vous le voyez en bas à droite, L1 maintenant c'est un pouvoir qu'ont tous les personnages. Possibilité de switcher avec vos armes. Là je me suis mis une arbalète qui peut tirer plusieurs carreaux si on se met en tir précis ou à la juger. Ainsi que donc du coup une arme au corps à corps qui est un fléau. Je ne vais pas m'attarder davantage, je pense avoir assez expliqué un petit peu le hub, et puis de toute façon on va limiter le spoil. On send et on se retrouve pour une partie en online. Du coup, bon, j'ai pu faire une squad avec deux autres personnes qui m'ont rejoint avant que je lance la mission. Et donc là, le nain est un bot, comme vous pouvez le voir à gauche.
Mais ouais, sur PS4, hein, franchement, même si les Vermintide, c'est une série que j'ai sur PC d'abord parce que je ne peux pas attendre pour y jouer vu que j'adore le style, de toute façon les Left 4 Dead games, j'adore ça. Donc du coup, je les prends toujours sur PC avant. C'est vrai que c'est plus beau sur PC, mais pour la PS4, hein, la réfraction, la lumière, etc. Franchement, moi je trouve que c'est une saga qui est très très bien portée pour la console et ça me satisfait tout autant parce que vous le savez, depuis le temps, je prends plus de plaisir à jouer moi de base sur console vu que j'ai beaucoup plus de potes qui sont dessus plutôt que sur un PC. Les deux personnes qui m'ont rejoint, j'avais déjà sélectionné la mission avant, donc on est en recrue. S'ils m'avaient rejoint avant une sélection de mission, donc en gros quand vous ajoutez des amis ou même des strangers pour venir dans votre squad, eh bien là le high level peut être modifié et vous pouvez prétendre à avoir une difficulté supérieure pour la mission. Toute difficulté supérieure amenée apportera des lots, des succès et des récompenses plus grandes une fois la mission terminée. Pour ceux qui... Bon, quand je dis Left 4 Dead Game, vous dites, bon, ok, ce sont des gens qui avancent d'un point A à un point B avec des zombies à dégommer. Dans Warhammer Vermintide 1, nous n'avions qu'un seul ennemi, les Skaven. Les Skaven, ce sont des petits hommes rats humanoïdes. Et là, on nous a rajouté bah, enfin, ces espèces de soldats gladiateurs zombies, des petits squelettons. En fait, bon, c'est cool. Donc ça ajoute un petit peu plus de richesse en termes d'adversité. Donc c'est toujours sympa d'éclater du scaven, certes, mais c'est tout aussi jouissif d'avoir un autre graphe sur lequel nous éclater avec notre arme de corps à corps. Pourquoi j'ai choisi par exemple le fléau? Ben, premièrement parce que c'était l'arme la plus puissante que je disposais, outre le fait mort d'aile de merde. Il y a aussi des mini-boss qui ont été inclus dedans. Avant, il y avait, ben, vous vous rappelez un petit peu des espèces de chargeurs qu'il y avait dans Left 4 Dead, ben, il y avait des scaven un petit peu dans le même style. Sauf que là, bon, là on a carrément vraiment des mini-boss inclus pendant ben, le trajet. Il va se faire démonter la gueule. Il m'enlève pas mal de vie, le salaud, quand même. J'ai tellement envie de m'amuser aussi à défoncer des gens à l'arbalète que bah, du coup maintenant je regrette de ne plus avoir aucune munition pour pouvoir le démonter. Votre arme à distance a peu de munitions et c'est normal parce que les dégâts de l'arme à distance sont des dégâts accrus contrairement à votre... Il est où? Ah il est là. Contrairement à votre arme de corps à corps en fait qui est moins puissante. C'est logique. On a rameuté une petite horde là qui vient nous péter la gueule. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est tout aussi jouissif d'éclater des ennemis. Et le fléau, voilà, qu'est-ce que ça m'apporte? Un bon gros point positif, c'est que peu importe, même si vous visez pas vraiment l'ennemi, le balayage est tellement large qu'en fait il fait tout votre écran. Donc tout ennemi proche de vous, visible, ne serait-ce qu'au moins, je sais pas, sur le côté de votre écran, vous ne voyez que l'épaule de l'ennemi, vous frappez avec votre fléau d'arme, et bien... Eh bien voilà, vous allez le toucher. Donc la longe et le balayage est très très efficace avec ce genre d'arme. Néanmoins, j'aurais bien voulu vous montrer les double guns qu'a le répurgateur. C'est beaucoup plus stylé. Mais bon, l'arbalète étant plus puissante, c'est avec celle-ci que je fais la mission. Les ennemis en termes de nouveautés, donc du coup c'est ces nouveaux ennemis qui ne sont pas des scaven, qui sont des espèces de zombies comme je vous ai dit, possèdent par exemple pour certains des boucliers, une double arme qui leur permet de faire une parade. Voilà, c'est similaire à certains scaven, mais après on se retrouve avec des boss très similaires à Left 4 Dead. Vous vous rappelez du Smoker, celui qui a cette énorme langue qui vous attrape autour du cou et quand vous le tuez il disparaît dans une énorme fumée toxique? Eh bien, il y a à peu près le même style. Vous avez un scaven qui possède un sceptre avec un embout circulaire. Et en fait, il vous fait passer la tête dans ce cercle. Et à l'intérieur du cercle, il y a des épines. Ce qui fait que du coup, en gros, bah, vous avez la tête entre toutes ces épines. Et vous êtes obligé du coup de le suivre. Enfin, une petite animation montre votre personnage en train de tenir ce cercle. Et à essayer de l'éloigner le plus possible de votre cou. Alors que lui, il est en train de tirer avec ce bâton autour de votre cou. Donc ça fait un petit peu cet effet de grab que fait le smoker. Il y a des mini-boss, on a parlé du tank forcément, du chargeur. Il y a voilà,
tous les ennemis, genre le Hunter, bah, il est dispo chez les Skaven, il vous saute dessus et dès qu'il vous a touché, bah, vous êtes obligé d'être secouru par un de vos collègues pour qu'il puisse vous libérer de son emprise. Très très similaire du coup à Left 4 Dead, d'où l'appellation Left 4 Dead Game. Ou Left 4 Dead Like, comme vous préférez. Il faut ouvrir trois portes. Donc voilà, durant votre excursion avec vos amis ou des strangers ou même un ordinateur, vous serez amené à exécuter différentes tâches et objectifs pour arriver jusqu'à la fin du scénario. Je vous rappelle encore qu'il y a 15 scénarios au total dans cette édition full complète sur PS4. Ah ouais, là il y a masse de monde. Donc voilà, après ce sont... Bon, là, il n'y a pas à tortiller, de toute façon, ouais, faudra juste subir des vagues. Tant qu'on n'a pas trouvé les interrupteurs pour ouvrir les portes, il ne va pas se passer des choses très... Vous voyez, celui qui a deux armes, c'est... Bon, lui, le gazrat, il était déjà mort. Voilà, enfin, c'est tout à fait logique de subir des vagues tant qu'on n'a pas trouvé l'interrupteur pour ouvrir les portes. Voilà, c'est un objectif très simple. Une sur trois déjà, voilà, ça va avancer. Je vais... pas perdre de temps parce que j'ai peut-être un peu trop perdu de temps sur l'intro. Je vais continuer de jouer, je vais scinder pour passer ce moment parce que voilà, il n'y aura rien de bien palpitant. Et mon but dans ce gameplay découverte est de vous montrer les différents aspects du jeu et pièces que nous propose ce jeu-là. Les égouts. Bon, voilà, on a ouvert la porte, on a suivi un simple tuyau et on est arrivé là. Donc vous voyez, inutile de vous faire patienter davantage pour vous montrer du contenu qui est aux abonnés absents parce que là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Oh, j'ai raté deux flèches, je suis mauvais. Le système de visée n'est pas ouf, mais bon, après, une fois que vous le mettez, c'est radical. Les Skaven légionnaires. Eux, ils sont vraiment stylés parce qu'ils peuvent vous contrer très facilement, ont une grosse allonge grâce à leur hallebarde et vous font des dégâts excessivement élevés. Ce qui fait un petit peu peur et qui est à la fois stylé, c'est que généralement, les soldats légionnaires, il n'y en a pas que un dans la map. Généralement, vous les trouvez groupés au nombre de 5 à 8. Et vous les entendez avancer avec leur armure lourde qui tape sur le sol avec une marche très rythmée, voire même... un rythme quasi militaire, vu qu'il s'agit de soldats, de légionnaires Skaven, et voilà, inspiré d'une marche militaire, et c'est vachement stylé de les voir arriver. Tant qu'ils ne vous remarquent pas, ils continuent leur ronde. Troublez leur ronde, faites-vous remarquer, et à vous les ennuis. Allez, dégage. Bon, là, c'est tellement excellent, c'est jouissif comme jeu. Après voilà, c'est pas un jeu non plus exceptionnel. Il a pris une note moyenne de 16 sur 20 sur la plupart des sites communautaires. Mais voilà, si vous aimez les jeux vraiment en coop, parce que là c'est que du PVE le jeu, hein, clairement. Mais si vous aimez ce genre avec vos amis pour déconner, vous êtes passionné de l'univers Warhammer et pas 40 000, parce que si vous aimez 40 000. Eh bien, je vous renvoie dans les commentaires directement, dans le descriptif, à une vidéo que j'avais faite aussi précédemment sur Left 4 Dead-like, mais dans l'univers de Warhammer 40 000, où est-ce que nous incarnions des Space Marines à l'intérieur d'un énorme Space Hulk contre des Tyrannides. Donc c'est assez classe ça aussi. Comme ça, vous pourrez voir de quoi il en retourne dans l'univers 40K. Mais là, voilà. Vous êtes fan de l'univers Warhammer, vous avez des potes sous la main, vous voulez vous éclater, même seul, vous pouvez. Franchement, voilà, l'objectif du jeu est très basique, mais le jeu vous montrera divers lieux, différents aspects. Et c'est vraiment, enfin, c'est pour vous en mettre un petit peu plein la vue et vous montrer aussi un sentiment d'une certaine puissance avec vos armes et votre principe de leveling qui a été rajouté pour donner vraiment un intérêt et pour que la lassitude ne soit pas présente. Trop facilement dans la progression du jeu. Vous avez donc du coup ce système de leveling qui vous rend un petit peu entre guillemets accro, qui vous tient en haleine. Et du coup ça vous permet donc du coup de progresser dans le jeu plus sereinement. Donc si tous ces aspects là vous plaisent, eh bien croyez-moi que Vermintide 2 est fait clairement pour vous. Voire même si vous êtes encore plus fan des Space Marines, Warhammer... c'était quoi? C'est Space Hulk Deathwing, le nom complet du jeu, sur PS4 et PC. Putain de merde.
Je pensais pas que j'allais glisser. Je voulais juste regarder au final. Donc cette barre blanche, c'est la barre qui me reste, mais elle diminuera avec le temps. Il faut que je me soigne. Vous savez, c'est une espèce de barre de last stand, en gros, une espèce de barre d'adrénaline suite à la réanimation d'un de vos collègues. Pourquoi quand je tombe et que maintenant je suis en difficulté et que je n'ai pas de munitions? J'ai encore une sale race de boss là qui me tombe sur le coin de la gueule. Un incendiaire n'a absolument rien fait. Nous avons un ennemi qui est un allié qui est knocked out. On a de... Eh putain, mais oui, voilà. Vous voyez l'espèce de Hunter de Left 4 Dead, vous l'avez version Skaven. Donc là, il arrête pas de vous planter, il vous diminue de votre vie. Heureusement qu'on a un novice, parce qu'elle diminue pas si... Elle devrait diminuer beaucoup plus vite. Et tant qu'un allié ne vient pas vous aider, eh bien c'est... Vous l'avez dans le cul, c'est le cas de le dire. Bon, tu vas crever, toi. C'est abusé. Mais oui, forcément. Et ben du coup, j'ai fini 3 fois knocked out. On apprécie, on adore. Décidément, 2 healing pack que je me fous dans la tronche pour pouvoir survivre. Arrête de bouger. Oh, incroyable. Motricité des corps, très correcte, hein. Le ragdoll est très représentatif, très bien développé. Par contre, bon, il suffit qu'un ennemi soit dans un mur pour que bon là il se transforme en une personne en train de convulser non-stop. Allez, un petit pack de remèdes. Alors, apparemment depuis le début de ce scénar j'en ai bien besoin. Ça manque pas, les healing pack. Il y en a un autre là. Oh, mais oui, mais voilà, bien sûr. Eh, vous connaissez tout ça, hein, dans les RPG. On connaît, hein, une salle avec que des vivres, etc. C'est forcément que la prochaine salle, ça va puer sa mère, hein, mais vraiment. Ça va être craignos. Un gazrat, il faut le buter. Reviens là. Tu vas mourir. Et voilà. Et vous voyez en haut à droite quel personnage a flingué l'ennemi dit élite dans le jeu. Vous avez des ennemis d'élite, donc c'est tous ceux qui peuvent vous rendre dans une certaine incapacité ou vous donner un énorme malus durant votre phase de jeu. J'ai dit que ça puait ? Ouais, ça a l'air. Ça a l'air beaucoup, beaucoup. Il y a une barre de vie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que j'ai mal si je vais là-dedans? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression de perdre de vie. Ah, si! Si. C'est mes petits boucliers au milieu. Donc, j'ai 2 boucliers. C'est égal, en fait, à ma parade. Un bouclier, normalement, se brise si vous arrivez à parer un coup. Vous pouvez parer, du coup, un deuxième coup avec le fléau. A savoir qu'avec la rapière, j'avais 3 boucliers, donc 3 coups de parade. Et ensuite, il faut attendre que votre... On va dire une espèce de souffle imaginaire. Une endurance remonte pour que vos boucliers se remettent en entier et soient à nouveau fonctionnels. Donc là, bon, on sent là, ça allait des gaines du final stage de ce scénario. A savoir que je fais le scénario numéro 2 de l'acte 1. Donc vous attendez pas un jeu où est-ce qu'il va mettre énormément de temps avant de vous plonger dans une immersion totale. Non, c'est le bordel même dès la première mission, clairement. Il a pris un tèche lui avec ce carreau, c'est magnifique. Comment vous voulez que j'économise mes carreaux quand on peut mettre des tèches aussi monumentaux et aussi jouissifs au Skaven? Moi j'ai pas le temps moi d'attendre les ennemis élites. Hein. Faut que je plante, faut que je joue à Robin des Bois moi. C'est plus fort que moi. Oh toi. La triplette dans le gazrat. On apprécie. Les Skaven légionnaires, ce dont je vous parlais avec la marche militaire. Là, il n'y en avait qu'un, tant mieux. À plusieurs, c'est foutu. La barre de vie est en train d'augmenter, donc je pense que... Ok. Oui, on peut pas le tuer, c'est celui qui est en train de faire l'incantation. Une fois qu'elle sera au max, je suppose qu'il y aura ou un boss ou une connerie du genre. Enfin bref,
On se rapproche de la fin, mesdames et messieurs. Les musiques sont très attrayantes, très bien choisies. De toute façon, c'est l'univers Warhammer, hein, donc on a vraiment des musiques qui sont propres au jeu. Mais elles facilitent l'immersion. Oh, toi, là. Allez, là. Mais c'est génial, quoi. Starbalette, elle est vraiment trop folle. Mais bon, je préfère les flingues, quand même. Allez. J'essaie de récupérer les munitions en haut, mais bon, là, il y a un mec en knockout. On va aller sauver notre ami. Ok, c'est bon. Le mercenaire est sauvé. Allez, dégage. On a un logo qui vient de s'afficher. C'est la sortie en fait. Fallait juste... Ouais, non, on avait dit au début perturber le rituel. Et en fait, fallait juste le perturber. Il n'y a pas ce gros là qui avait un bouclier invulnérable à buter apparemment. Tout le monde me... Oh là là, tout le monde me suit, mais bon. Normalement, hein, je dis bien normalement, le bot devrait aller l'aider et devrait rebrousser chemin. Non, ils suivent tous les deux. Ah, et au final, il n'est plus sous l'emprise parce qu'il n'est plus entouré de rouge, le perso en bas à gauche, comme vous pouvez le voir. Il s'agit de notre stèle de téléportation. Et nous allons pouvoir terminer ainsi. Voilà, il est en train d'arriver. Prends ton temps, l'ami, vas-y, vas-y. Voilà. Et nous avons donc terminé cette mission. Donc du coup, là, il est l'heure des récompenses, forcément. Parfois, quand vous tuez certains ennemis ou que vous ouvrez quelques coffres cachés, vous pouvez avoir des espèces de cubes, en fait. Dans le 1, ça servait d'avoir pour des dés supplémentaires, parce que vous jetiez des dés, et en fonction des points que vous faisiez, vous aviez une arme sur une espèce de roulette. Là, récupérer ces dés au sol vous permettent d'améliorer directement un coffre qui vous est offert à chaque mission qui est réussie. Donc du coup, vous améliorez ce coffre en fonction de vos performances et des objets du coup récupérés. Donc c'est plus pratique parce que ces dés, une fois récupérés... Bon, je suis le premier à avoir tué des élites. Ouais, logique, j'en ai flingué déjà deux à la fin, c'était déjà assez sympa. Je suis loin d'avoir fait le meilleur score, mais... J'ai apporté une certaine utilité, disons-nous. J'essaie de me voiler la gueule comme je peux. Du coup, voilà. Donc c'est beaucoup mieux que d'avoir un simple dé dans le 1. Et d'essayer qu'il fasse... d'avoir un bon jet pour qu'il ait un bon chiffre. Une chance sur 6, me direz-vous. Mais là, du coup, on a forcément un coffre qui s'améliore. Et ça, c'est cool. Oh, une paire de flingues, ça c'est génial. Ben, je vais pouvoir vous montrer le gameplay d'un double gun chez le répurgateur. Et ça c'est vachement fat. J'ai eu un gros pistolet à barillet également. Et une arbalète verte. Donc vous voyez, principe d'high level, je suis 42. Et à chaque fois, je peux choisir au-dessus pour faire monter mon niveau. Voilà, le high level est très très basique. Recyclez vos anciennes armes pour récupérer des matériaux. Avec ces matériaux, forgez-en de nouvelles. Ou même combinez des armes ensemble, des blanches, pour former une verte supérieure, admettons. Voilà, on va mettre cela. De toute façon, ils ont le même skin. Et elle n'a pas le tir rapide. Elle l'a pas dans la catégorie verte, alors que lui, il a tir rapide. Donc moi c'est ça qui me plaît. Les arbalètes, même, je les prends tir rapide. Pour avoir une seule flèche à chaque fois, non, je suis désolé, un répurgateur, ça doit avoir une puissance de feu et une accuracy énorme. Donc, je ne vais pas me mettre un malus sur ce qu'est censé être mon point fort. Vous le voyez par vous-même. On va prendre les flingues. Et ensuite, en fait, il suffit de faire carré pour les reloader. Et vous pouvez les tendre tous les deux. Et là, ils passent en full auto. Et c'est dévastateur. Voilà, du coup je vais m'arrêter là, en espérant que ce gameplay test découvert vous aura bien plu. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, et à ciao !